Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir présent, de vous savoir fidèle sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Merci à vous de nous suivre les mercredis, jeudis et vendredis dans le cadre de nos lives. Ce soir, vous aurez reconnu le visage de ce monsieur qui nous attend d'une certaine manière, mais l'émission a déjà été enregistrée, vous l'aurez compris, sur la scène de l'Opéra de Clermont. Nous avons un partenariat avec Clermont-Auvergne Métropole. Je remercie Clermont-Auvergne Métropole de nous permettre ainsi d'interviewer les personnalités de la scène politique, culturelle, sociale du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, Flavien Neuvy, qui est le maire de Sébazat, nous le retrouverons dans un instant à travers ce lever de rideau. Vous êtes déjà nombreux à vous connecter. J'en suis sincèrement ravi. Un petit mot de météo et puis on va parler de l'actualité sportive et notre ami Jean-Luc Blanc est avec nous d'ailleurs. Je lui ai demandé d'intervenir en lien avec une information importante qui a été communiquée aujourd'hui. D'ailleurs, j'accueille Jean-Luc et je le remercie d'être avec nous. Neige et verglas pour ce soir avec des interdictions formelles de la préfecture pour la circulation des poids lourds depuis 16h cet après-midi sur plusieurs départements. L'Allier, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. C'est un peu surprenant, le Cantal n'est pas concerné. En tout cas, l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Vigilance orange pour cause de très mauvais temps, avec donc des interdictions de circulation dues aux pluies verglaçantes. Pour demain samedi et pour dimanche, amélioration côté météo, mais c'est pas terrible et ce sera un week-end sous le froid et sous la neige et sous la pluie. Voilà, pourquoi pas une bonne Saint-Valentin au coin du feu pour celles et ceux qui ont la possibilité d'avoir une cheminée. Et puis, de toute façon, il y a YouTube qui propose 2h30, 3h de vidéos non-stop avec des feux de cheminée. Moi, je trouve que ça vaut le coup peut-être de diffuser ça. Je sais pas, Jean-Luc, si tu as prévu un petit moment au coin du feu avec ta chère et tante que je salue, Mireille, on l'embrasse, mais ça peut être une idée. Alors, je t'ai demandé, trêve de plaisanterie, d'intervenir en quelques minutes pour nous parler d'une information importante. Il y aurait peut-être une reprise du championnat amateur de rugby à partir du 26 février. Voilà une information importante. Alors, effectivement, c'est tombé ce matin. Il y avait une réunion, il y avait un bureau fédéral de la Fédération française de rugby. Et donc, il a été dit que ce serait tranché. Donc, ce n'est pas forcément une reprise. La FFR va trancher le 26 février, c'est-à-dire à la fin de ce mois, à savoir s'il y a reprise des compétitions que l'on appelle les compétitions fédérales ou s'il y aura malheureusement une autre décision de prise. Alors, je rappelle quand même que ça concerne un certain nombre de clubs chez nous, ici en Auvergne, puisque ça concerne en premier lieu l'US Histoirienne qui joue en Fédéral 1. Après, en Fédéral 2, nous avons le RC Cournon Clermont et nous avons le RC Vichy. En Fédéral 3, nous avons donc le Clermont-la-Plaine qui est concerné, le SCA Cusétois, le Puy qui me tient un petit peu à cœur, Mauriac et le rugby club Réaumois ainsi que Montluçon. Donc En tous ces fait, il y a clubs. pas mal de clubs qui sont concernés, mais au-delà du championnat en lui-même, c'est une bonne nouvelle pour le sport amateur, dont tu nous parles d'ailleurs régulièrement, Jean-Luc, sur ce même canal. Alors, je dis bien, Marc-Alexis, il faut quand même être méfiant, puisque Bien sûr. le 26 février, on ne sait pas, les propos du président Laporte sont encore assez ambigus. Et il dit, on ne prendra aucun risque. Moi, ce que je te proposerais, c'est que nous attendions le 26 février et que, le cas échéant, on voit quelqu'un de l'encadrement d'Issoire, de Cournon, enfin, c'est suffisamment près. Ou de Riom pour faire le bilan lorsque les décisions vont tomber le 26 février. Et surtout, il continue à s'entraîner, mais
selon des gestes barrières et un protocole assez compliqué. Donc, ce serait assez intéressant de savoir, dans la mesure où il y aura reprise, comment vont-ils reprendre tout cela. La date est prise, tu reviens vers le 26 février, juste le 26 si tu le souhaites, ou le jour suivant. Tu es le bienvenu, tu es chez toi, tu le sais. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir accepté comme ça, au pied levé, cette petite intrusion dans le live. On est toujours ravis que tu nous parles sport. Et bien évidemment, tu as pris une minute de plus, je t'en prie. Alors, une simple précision, tu parlais météo, moi je suis dans les Combrailles, je vous dis d'être très très prudent, parce qu'il tombe actuellement beaucoup de pluie verglaçante, donc prudence, et je suis surpris de tes propos sur le Cantal, parce que justement on va revenir au sport, c'est qu'aujourd'hui le Stade Aurillacois doit recevoir le RC Vannes qui est le leader de Pro D2 actuellement, et nos amis bretons sont venus par un train Paris, pas Paris-Clermont-Ferrand, mais Paris-Aurillac, et donc les rails devaient être verglacés et il y a énormément de retard. Et ce match, au lieu de commencer à 19h, il doit commencer vers 20h ou 20h30. Donc, bon. Avis aux amateurs de rugby. Avis aux amateurs. Supporters cantalous et bretons. On parlait de l'interdiction de circulation pour les poids lourds. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je te souhaite un très bon week-end de Saint-Valentin. Encore des bises à Mireille et on se dit à très vite. Merci à tous de votre. Merci, oui, le maire de Sébazac qui est avec nous, on le retrouve sans plus tarder depuis la scène de l'Opéra de Clermont. Vous continuez à vous connecter, j'en suis ravi, je salue ceux qui nous rejoignent pour la première fois et puis je dis bonjour et merci à ceux qui nous sont fidèles de live en live. Ça va faire un an bientôt que nous sommes ensemble avec Marité et Ribeiro dans le cadre de ces lives et j'en suis ravi. Allez, trêve de plaisanterie, on arrête de parler et je vous retrouve sur la scène de l'Opéra de Clermont avec donc notre invité pour lever de rideau aujourd'hui. Il s'agit du maire de Sébazac, Flavien Neuvy. Une nouvelle émission Levée de rideau, ici à l'Opéra de Clermont, lieu magique s'il en est. Flavien Neuvy est notre invité, bonjour. Bonjour. Merci Flavien d'être avec nous. Vous êtes le maire de Sébazac, un des vice-présidents de Clermont-Auvergne Métropole, que je salue au passage puisque Clermont-Auvergne Métropole est notre partenaire sur cette émission. Vous m'avez confié en arrivant, et on l'a vu d'une certaine manière sur le générique, que c'était la première fois que vous montiez sur la scène ici de l'Opéra. Alors, quelle émotion ? C'est très particulier, d'abord parce que les lieux de spectacle sont des lieux qui sont toujours magiques. Quand il y a un spectacle, quand il y a du spectacle vivant, c'est des lieux absolument magiques qui font rêver les spectateurs. Et c'est vrai que j'avais déjà eu l'occasion, bien sûr, de venir dans cette salle en tant que spectateur, mais c'était la première fois que je montais sur scène ici. Et donc, c'est toujours une émotion particulière de se retrouver sur une scène où viennent les artistes. Et voilà, et je trouve... Vous avez un côté artiste, vous-même ? Magnifique. Non, malheureusement, non. C'est quelque chose qui... C'est une grande frustration chez moi, c'est que j'aurais adoré pouvoir faire de la musique, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire et puis je n'ai jamais vraiment pris le temps d'en faire. J'écoute tout le temps de la musique en réalité et c'est vrai que voilà, le monde de la culture, le monde du spectacle est quand même tout à fait magnifique. Alors, ce lieu, il dit quelque chose aussi par son architecture et je voudrais profiter de cette remarque de ma part pour faire une transition par rapport à vous et votre fonction d'élu. On vous a vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux, à travers des vidéos, dans votre bureau, où vous conférez justement une certaine élégance au décor. Vous posez aux côtés des photos des présidents, vous posez à côté des drapeaux français et européens. Ce n'est pas un hasard, ça. Pourquoi un élu de la République, d'une commune, ne le prenez pas mal, mais d'une petite commune, a-t-il besoin d'être regardé de cette manière ? En fait, je suis très attaché à la République. C'est très important. Et c'est encore plus important par les temps qui courent où on assiste quand même à des institutions qui sont bousculées. On voit qu'il y a beaucoup de remises en cause du principe de la démocratie représentative.
Et quand on est un élu du peuple, ce qui est le cas de tous les maires de France et de tous les conseillers municipaux, ben on a le devoir d'incarner un petit peu la République, chacun à son niveau. Et pour vous, le décor peut permettre cette incarnation? En tout cas, dès que j'ai été élu, j'ai souhaité mettre dans mon bureau le drapeau français et le drapeau européen, justement pour montrer que ben, c'est un petit bout de la République, assez bas à son échelle, mais le maire, quel qu'il soit, aujourd'hui c'est moi, hier c'était Bernard Roby, demain ça en sera un autre, le maire représente la République à son niveau, et le fait de mettre un drapeau tricolore et le drapeau européen, puisque je suis profondément européen, bah c'est l'illustration finalement de cet attachement au bon fonctionnement de nos institutions. On se connaît depuis pas mal de temps, Flavien. J'ai souvenir d'un déjeuner ensemble, dans la discrétion, mais je ne vais pas tout révéler du déjeuner. En revanche, je vais me rappeler publiquement et sciemment d'un moment où vous me posez la question de votre futur engagement lors du précédent mandat. Hein. Vous alliez devenir maire, en tout cas vous présenter aux élections. Et j'ai souvenir effectivement, plus exactement, d'une forme d'interrogation de votre part. Pourquoi y aller? Est-ce que vous avez la réponse aujourd'hui? Alors c'est une vraie question. L'engagement politique, c'est pas quelque chose d'anodin parce que d'abord ça prend beaucoup de temps sur sa vie personnelle, sur la vie de famille. Et donc avant de s'engager, évidemment, il y a forcément une discussion qui s'engage avec son conjoint, avec ses enfants. Et avec des observateurs. Et avec des observateurs, bien sûr, parce qu'encore une fois, les conséquences en sont multiples. Après, une fois que la décision est prise, parce que c'est mon tempérament, j'y vais à fond et je me consacre à fond à la mission que les Sébazères m'ont confiée, parce que je ne conçois pas les choses autrement. Mais comme je fais les choses à fond, j'essaye de bien réfléchir avant pour savoir si oui ou non, je veux y aller. Et c'est vrai que l'engagement politique, c'est très particulier, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est quelque chose de très exigeant. On est confronté à des difficultés qui parfois sont vraiment très compliquées à résoudre, avec notamment des difficultés sociales. On rencontre des gens qui sont en grande difficulté. Et donc, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et puis, en parallèle, j'avais quand même mon parcours professionnel. On va y revenir. Qui nécessitait aussi une prise de risque. À cet instant-là, moi, lors du déjeuner, le fameux déjeuner auquel je fais allusion, ce qui m'avait frappé, c'est que ce n'était pas tant le résultat qui vous préoccupait. Vous alliez ou pas être maire. C'était simplement, effectivement, ou plus exactement, le fait de l'engagement. Aurais-je la force, moi, Flavien Meuvy, d'y aller et de rester dans cet engagement? Non, ce n'était pas une question de force, c'était surtout une question de se dire que, une fois que la décision était prise, si elle devait être prise, j'irai à fond, parce que je fonctionne comme ça. Et donc, après avoir bien réfléchi, j'ai pris la décision, effectivement, d'être candidat, d'abord en 2008, qui a été un pas important. À l'époque, je n'avais pas gagné, j'avais été battu. Et puis en 2014, évidemment. Et donc, tous ces choix-là, effectivement, sont très engageants. Mais une fois que la décision est prise, ce qui a été le cas, eh ben voilà, j'y vais à fond et j'essaye de mettre en œuvre le programme pour lequel les Sébazères nous ont élus. Parce que c'est le maire, mais c'est aussi toute une équipe qui entoure le maire. Qu'est-ce que vous avez appris et que vous avez envie de partager en bien et en moins bien lors de ce premier mandat? Il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé. La première chose, c'est l'extraordinaire complexité de notre pays. Voilà, je ne soupçonnais pas, parce que quand on travaille dans une entreprise, on sait qu'il y a des règles, etc. Mais chacun fait son travail, et puis vous avez des juristes, je sous-estimais largement le degré de complexité de notre pays. Voilà, et quand vous êtes maire, vous êtes confronté au Code général des collectivités territoriales, Code de l'environnement, Code de l'urbanisme, Code. Il y en a de partout, c'est invraisemblable. Bientôt le Code du Code. Mais c'est invraisemblable. On a un pays qui est d'une complexité. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est vraiment extraordinairement compliqué. Et une autre chose, moi, qui m'a beaucoup étonné, c'est les difficultés que rencontrent beaucoup de gens, malgré tout, dans des problèmes de relationnel, de voisinage. Il y a beaucoup de crispation. Je ressens cette crispation de la société française dans mon bureau. Les gens viennent voir le maire qui est... Ça évolue en pire ? Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a de la tension, il y a de la crispation. Vraiment, les gens ont du mal à se supporter. Il n'y a plus beaucoup de place pour la mesure, pour la prise de recul, la réflexion. Voilà, c'est beaucoup d'injonctions, beaucoup de crispations vis-à-vis des élus aussi, hein, parce que les élus subissent tout cela avec des menaces, parfois violentes. Et donc, cette société française qui se crispe, avec une remise en cause des institutions, comme je le disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'y suis très attaché, fait que c'est quand même un petit peu inquiétant pour l'avenir de notre pays. Ça, c'est le constat, mais le remède, il pourrait être lequel? Je pense que... Le remède, alors pour les institutions, je pense qu'il faut déjà arrêter de taper sur les élus.
Voilà, il faut arrêter de remettre en cause en permanence les élus. Et à ce titre, je regrette beaucoup toutes les lois qui se sont succédées pour moraliser la vie publique, pour interdire cela, etc., qui avaient pour but, au fond, de réconcilier les Français avec leur classe politique. Toutes ces lois sont passées, elles n'ont rien réconcilié du tout. Au contraire, plus on fait des lois pour moraliser, je mets des guillemets, puisque c'est le terme qui avait été employé, la vie politique, plus on alimente le soupçon, la suspicion, la défiance. Donc il faut arrêter avec ça. Vous avez 500 000 élus locaux en France qui, tous les jours, font de leur mieux, qui prennent sur leur temps personnel au service des autres pour la plupart du temps des rémunérations qui sont dérisoires, voire complètement nulles, puisque la plupart des conseillers municipaux sont bénévoles. Il faut arrêter de taper sur les élus. Voilà, ils sont formidables pour la plupart d'entre eux. Et ce n'est pas parce que de temps en temps, il y en a un qui fait n'importe quoi, qui magouille ou qui triche, que l'ensemble est pourri. Voilà, donc arrêtons avec ça. Est-ce que ce n'est pas très français exclusivement ? Peut-être pas exclusivement, mais est-ce que ce n'est pas majoritairement français que de toujours vouloir râler ? Oui, je pense qu'on a un peu ce tempérament. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, je crois aussi que le rôle des élus et le rôle des journalistes, le rôle des leaders d'opinion, notre responsabilité collective, à un moment donné, c'est d'arrêter d'alimenter cette machine infernale. Voilà. Et de dire à tous les gens qui ont envie de s'engager dans la vie publique, de le faire. On manque de personnes motivées. On voit qu'il y a beaucoup de villes où il n'y a eu qu'une seule liste aux dernières municipales. On voit que dans beaucoup de villes, il n'y a eu que deux listes, ce qui n'est pas beaucoup en réalité, et que donc on a besoin de gens qui s'engagent. Donc plutôt que de critiquer, moi j'invite toutes celles et tous ceux qui ont des idées, quelles que soient leurs idées, eh ben, à s'engager et à essayer de les mettre en œuvre en respectant la règle du jeu démocratique. Flavien Neuvy, vous faites de la politique à côté d'un métier, une profession qui vous prend beaucoup de temps au jour le jour. Vous êtes économiste. On vous voit souvent sur les plateaux de télé. En revanche, on ne vous voit pas forcément dans ce type de décor pour parler économie. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'économie ? Parce que l'économie, c'est quand même un monde un petit peu particulier. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la complexité de l'administration française. L'économie, ce n'est pas simple non plus. L'économie, ce n'est pas simple et l'économie s'est complexifiée sur ces 30 dernières années ou 40 dernières années avec une mondialisation qui a libéralisé les échanges, qui a largement profité d'ailleurs au monde. Hein, si on regarde l'extrême pauvreté dans le monde, elle a beaucoup reculé sur ces 40 dernières années, mais elle a rendu l'économie complexe parce que les interactions sont extrêmement complexes. Et du coup, l'expliquer, c'est compliqué. Et moi, ce qui me passionne dans mon métier d'économiste, c'est bien sûr la recherche, c'est l'analyse, c'est la prospective, la capacité à faire des prévisions, mais c'est d'essayer de l'expliquer. C'est pour ça que lorsque je suis invité dans un média national, j'essaye toujours de rester très simple dans les explications, parce que ce que je souhaite, c'est que les gens qui écoutent ou qui regardent leur télévision puissent comprendre les choses. Vous avez un côté Raymond Barre sur cette question-là. Raymond Barre, qui a été un grand économiste, effectivement, et qui avait effectivement cette volonté d'essayer de bien expliquer, de faire de la pédagogie pour que les gens comprennent les choses. Et c'est très important, parce que plus les choses sont complexes, plus il faut prendre le temps de l'explication et de la pédagogie, avec, bien sûr, à chaque fois en face, ben, soit des caricatures, soit des choses qui sont un petit peu exagérées et qui ne simplifient pas les choses. Voilà, plus c'est complexe et l'économie est complexe, plus on a un devoir de simplicité dans l'explication. Alors, au-delà du devoir de simplicité dans l'explication, est-ce que ça signifie que l'économie peut avoir encore un peu une forme d'humanité ? Oui, mais là, pour le coup, je considère que les entreprises... Je parle bien des entreprises, je vais laisser le service public de côté ou les entreprises publiques de côté. On peut les mettre dedans les entreprises publiques, mais c'est un petit peu différent. Les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, et en France, on a la chance d'avoir des grands groupes de taille mondiale, les entreprises, et en particulier leurs dirigeants, ont une responsabilité considérable. C'est-à-dire que leur responsabilité, bien sûr, c'est d'assurer la pérennité, la croissance de leur entreprise, le développement économique de l'entreprise, le bien-être des collaborateurs. Mais une entreprise, elle a un rôle social aussi à jouer. Et de ce point de vue-là, je crois que le capitalisme, d'une façon générale, doit absolument intégrer que le rôle d'une entreprise, ce n'est pas uniquement son rôle à elle de croissance et de pérennité, mais elle a un rôle social majeur à jouer. Et ça, je crois qu'on a encore des progrès à faire. Alors, comment faire ? Les choses sont en train d'évoluer quand même, je crois, sous la pression des consommateurs. Mais je crois vraiment qu'on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et c'est quelqu'un qui est libéral dans l'âme qui vous le dit. Vous n'êtes pas le seul, mais vous n'êtes pas non plus légion en politique, que ce soit à gauche ou à droite, à avoir des mandats importants.
je le redis, vous êtes maire d'une ville importante, c'est Bazas, vous êtes vice-président de Clermont-Auvergne Métropole, et puis d'avoir aussi, en parallèle, alors je ne sais pas comment le parallèle d'ailleurs doit être fait, si c'est d'abord votre job puis la politique, ou la politique puis votre job, ça doit être compliqué de mener les deux de front. Alors, d'abord, je travaille beaucoup. Et je travaille vraiment beaucoup et donc du coup, c'est quelque chose que j'arrive à articuler dans mon agenda quotidien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque je suis maire, je ne suis pas dans mon travail d'économiste, c'est-à-dire que je prends des jours de délégation. Le statut de l'élu permet d'avoir un certain nombre de jours dans l'année qui permettent d'exercer son mandat d'élu. Donc ça existe, peut-être pas assez, mais en tout cas ça existe, ce qui fait que quand je suis maire, je ne travaille pas pour cet élève, mais je ne suis pas payé par cet élève, il faut bien comprendre. Donc je travaille à temps partiel. Et en réalité, je passe 1 à 2 jours par semaine, alors maintenant moins avec le Covid, mais hors période de crise sanitaire, c'était 1 à 2 jours par semaine à Paris pour exercer ma profession. Et après, c'est vrai que le soir, je peux travailler à distance. Quand un journaliste m'appelle, c'est un coup de téléphone. Bon, ça ne prend pas non plus toute la journée. Mais c'est vrai que la priorité, ça a été mes mandats, parce que ça prend beaucoup de temps et que les Sébazères m'ont élu pour ça. Mais j'ai souhaité quand même garder mon activité professionnelle parce que je ne veux pas dépendre de la politique. Ça veut dire que si un jour je décide d'arrêter ou si un jour les électeurs décident de me faire arrêter, parce que c'est aussi la démocratie, c'est pas grave, c'est je reprends mon travail à plein temps. En dépendre financièrement ou ne pas justement subir une forme de dépendance psychologique, parce que le jour où les lumières s'éteignent, c'est également très compliqué. C'est les deux, c'est exactement ça, c'est les deux. C'est-à-dire que financièrement, si demain j'arrête ma carrière ou mon parcours politique, ce n'est pas grave parce que j'ai mon travail à côté, je ne dépends pas de la politique. Et en même temps, effectivement, si les électeurs décident, parce que je me suis représenté, de ne pas m'élire une autre fois, si je me représente un jour, c'est pas grave non plus, puisque j'ai mon travail à côté. C'est une forme de liberté à laquelle je suis très attaché. Et là encore, je crois que les gens, d'une façon générale, souvent disent « Ah bah oui, mais notre classe politique est déconnectée de la réalité du quotidien, etc. » Bah moi, pas du tout. Je travaille dans une entreprise. Donc dans mon entreprise, j'ai une chef, donc un chef, une chef au-dessus. Voilà, comme tout le monde, je rends des comptes et je fais mon travail le mieux possible. Mais c'est très important pour mon équilibre personnel. Que ressentez-vous, Flavien Neuville, lorsque vous revenez de Paris et que, soit par le train, soit par la voiture, soit par l'avion, vous réintégrez progressivement l'espace du Massif central et celui de l'Auvergne? C'est un grand bol d'air. Vraiment, alors moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie parce que j'ai habité longtemps à l'étranger, j'ai eu un parcours professionnel justement qui m'a amené à beaucoup déménager. J'avais connu l'Auvergne au moment de mon service militaire, mais vraiment, il faut juste bien avoir conscience, mais la plupart des Auvergnats le savent, et puis les Puy-de-Dôme aussi, qu'on vit dans une région exceptionnelle. Une qualité de vie vraiment que beaucoup de gens peuvent nous envier. Un cadre naturel exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Une métropole qui à la fois offre tous les services, mais qui reste une métropole, Clermont-Auvergne métropole, à taille humaine. On n'est pas dans des 1 million, 3 millions d'habitants. C'est une métropole à taille humaine, moins de 300 000 habitants, avec tous les services, avec une offre culturelle intéressante, des clubs sportifs de haut niveau. On a tout ce qu'il faut en Auvergne. On a une qualité de vie exceptionnelle. C'est la dernière question, elle est commune à tous mes invités. Vous êtes sur cette scène, imaginons que derrière vous, il y ait vos amis, les Sébazères, des gens que vous avez envie d'inviter ce soir. Voilà. Vous leur dites quoi en étant sur cette scène? Je crois que la période que l'on vit est une période très compliquée, bien sûr sur le plan sanitaire. Et comment ne pas avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de traverser cette période, hein, les soignants, enfin tous ceux qui ont beaucoup travaillé pour nous permettre de traverser cette période. Je rêve que d'une chose aujourd'hui, c'est que l'on puisse revivre comme avant. Parce que le monde d'avant, il était quand même sympa. Là, on se voit parce qu'on est à distance sans le masque, mais le masque nous empêche de voir les émotions, les sourires. J'ai envie qu'on n'ait plus de masque, j'ai envie qu'on se retrouve dans une salle de spectacle. Voilà, et je leur dirais simplement, si on était dans ce contexte-là, je suis content de vous voir. Et si à Sémaphore, on reprend les activités bientôt le 15 décembre. C'est ce que je dirais. La belle salle de spectacle. Absolument, absolument. C'est ce que je dirais au public. Je leur dirais, je suis content de vous voir. Ça fait plaisir. Flavien Neuville était notre invité aujourd'hui dans Levé de Rideau. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Flavien Neuville pour cette interview donnée donc un peu avant Noël. Vous l'aurez
compris, vous êtes fidèle au live. J'en suis ravi, les 19h passées de 6 minutes. Encore un petit clin d'œil autour de Flavien Neuilly. Regardez cette image. Ça fait partie des collections personnelles de notre ami Pierre-Gabriel Gonzalez qui cet après-midi est venu me voir à mon bureau et m'a dit « J'ai un clin d'œil important à te proposer ce soir autour de Flavien Neuilly. » C'est l'une des toute première fois où Flavien prenait la parole en public dans ce qui allait devenir aussi son parcours politique. Voilà, c'était dans la série Fais gaffe, j'ai des archives. Flavien Neuilly, une de ses premières interventions en public à Sébaza vers 2005, déjà un homme de conviction et d'ouverture. Ce clin d'œil est signé Pierre Gabriel. Merci à lui, merci à vous. Encore quelques mots pour vous dire que tout au long de cette diffusion, vous avez appris grâce à Marc Production eh bien, un certain nombre de choses hein, sur Sébaza, sur Flavien Neuilly. Par exemple, vous avez aussi appris que Sébaza était une ville qui grandit, qui continue de grandir, qui est une des 10 plus grande ville du Puy-de-Dôme, mais qui reste une ville à taille humaine, comme aime à le rappeler son maire, Flavien Neuilly. Et puis, bien évidemment, je ne résiste pas au plaisir de féliciter à nouveau toute l'équipe de technologistique qui a assuré la confection et l'installation de ces magnifiques fauteuils de l'Opéra municipal de Clermont-Ferrand. Voilà, c'est la fin des lives pour cette semaine. Si vous avez envie de nous retrouver, que vous êtes nostalgique d'ores et déjà, mais je ne peux vous inviter qu'à regarder à nouveau en replay un certain nombre des lives que nous avons réalisés. Et puis j'en affectionne un peut-être en particulier, celui où ces 4 femmes créatrices d'entreprises se sont exprimées à travers cette thématique. Elles ont osé en 2020, Anne-Cécile Échelle-Randou, Isabelle Malcourt, Laure Dupré et Sandrine Koulibaly. C'était le live de ce mercredi, il est disponible en replay. On se retrouve mercredi avec un live exceptionnel autour de la personne handicapée avec l'ADAPEI et notamment sa directrice, la directrice de l'ADAPEI qui nous fait l'honneur d'être avec nous en direct, Séverine Gardet. Elle sera avec nous en direct mercredi soir. Je vous souhaite d'ici là un très joyeux week-end de la Saint-Valentin et si vous n'êtes pas concerné directement par la Saint-Valentin, ben c'est pas grave, avec Marité, ma complice sur les lives, nous on vous dit tout simplement qu'on vous aime. En réalité, vous êtes concerné par la Saint-Valentin. À très vite. Au revoir.